Y'appelez pas, vous allez bien ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Hein, le lendemain de ma première vidéo sur Battlefield 2042. On retourne sur Vanguard aujourd'hui, pas de soucis, mais j'ai mangé chez la concurrence. Ça m'a fait gollerie de sortir une petite vidéo BF 2042. Ça, vraiment, j'ai un peu juste frotté les mains comme ça. On fait des vidéos à droite, on fait des vidéos à gauche, chez le concurrent A, chez le concurrent B. Je fais pareil en stream, un peu des deux, comme ça. Et ça me fume parce que forcément, quand tu fais du stream sur Vanguard et sur BF 2042, arrive, tu vois, la question finale. Ouais, c'est lequel que tu préfères, machin, nanan. Franchement, je vais être honnête, pour répondre à cette question de manière très rapide, pour l'instant en tout cas, parce que je vais encore creuser, histoire d'élaborer, affûter cet avis, j'ai du mal à y répondre parce que j'attends pas la même chose des deux jeux. Et en fait, dans la mesure où j'attends pas la même chose des deux jeux, j'ai du mal à directement te donner un avis rapide. Parce qu'en gros, Battlefield, c'est la guerre, frère. C'est la guerre bien famine, c'est la guerre bien explosion de partout, bien hélico, bien tank. Donc t'es dans une immersion qui est énorme. Mais les maps, c'est pas celle que je préfère. Par contre, il y a certains modes pour que ça aille, tu sais, que ça se la donne, que ça punch. Mais en même temps, c'est vrai que le jeu est pas plein de contenu, tu vois, que ce soit en armes, etc. Il y a peut-être des choses mieux à faire. Vanguard à côté, moi j'aime bien, mais je peux comprendre que l'époque soit moins bien. Par contre, les maps sont très cool, ça j'en démords pas, je kiffe les maps. Et à côté de ça, ça tue très très vite. Donc du coup, c'est extrêmement nerveux et c'est fatigant. Et tu rajoutes tout ce qui est SBMM, etc. C'est fatigant, mon frère. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça dans mon chat aujourd'hui, j'ai trouvé ça putain intéressant. Il a dit, alors BF, il y a au moins un avantage, c'est que tu peux y jouer beaucoup plus chill. Et ça, c'est vrai. BF, si t'as envie de faire un peu le daron, à jouer tranquille, tu vois, comme ça, un peu reculé, un peu pépère. Tu sais, tu prends un sniper, tu te fous, voilà, dans des grandes lignes. Tu tues des mecs, c'est possible. En fait, ce qui peut être un défaut pour certains, c'est une force pour d'autres, c'est que le jeu demande moins de tryhard, tu vois. Alors que Call of Duty, mon gars, juste avec le SBMM, mon frère, le jeu, mentalement, il est fatigant, mon frère. Non, mais franchement, qu'on se le dise, le jeu est fatigant mentalement. Genre Call of Duty, t'es toujours à fond, BF, tu peux y aller un peu plus tranquille, ça, c'est un avantage. Bref, tout ça pour dire, j'attends pas la même chose des deux jeux, donc j'aime les deux, profitons de ces deux monstres. Camping class is out. Yes, 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 Camping Klaus is out, my brother. Yeah, you know. How are you? Having some very bad games, my friend. Very bad games. Ah, shit happens, bro. How about you? Good games? Doing fine, to be honest. I shot twice the barge, dead. Quel frère. En plus, voilà, je suis inventaire, j'ai dit doing fine, genre mes games vont bien, je suis en 0-3, je me fais exploser la rondelle, je lance des games tout seul, et donc c'est-à-dire que je suis en SBMM x1000, j'ai même pas l'effet de groupe pour contrer ça, et en plus de ça, je joue au sniper, donc c'est-à-dire que j'ai mon SBMM qui me fait aller dans des games hard. Et en plus, je fais tout ça au sniper, mon gars, c'est-à-dire que j'ai double défaut, tu vois. Genre là, c'est dur, la vie est difficile, mon gars. Mais mes games sont chaudes. Ah putain, je t'assure. Ah bah putain, bah ouais, bah mon gars, t'es chiant. Voilà, t'es un bon joueur, mais t'es relou. Moi, je te le dis, je le sens. Ça c'est des mecs bien jump, bien slide, bien tryhard, pendant que moi, je suis en train de vous faire ma série annuelle, le meilleur sniper français. Alors le meilleur sniper français, je vais voilà. On va rétablir des vérités, il n'est absolument pas là, je ne suis pas le meilleur sniper français. Il y a des centaines de joueurs qui sont meilleurs que moi au sniper. Même des personnalités, j'en suis sûr, à la télé, des trucs comme ça, sont meilleurs que moi au sniper. J'ai aucun mal à le reconnaître. Hanouna, je suis sûr, tu lui mets une trace dans chaque narine. Le mec, il snipe face warting, gros. Vraiment, le mec, trop fort. Rien à dire. Oh, j'ai essayé de sniper un chien, ça t'en dit assez sur mes capacités. Mais c'est une série qui me fait marrer et que j'aime bien faire. Oh non! J'ai mis un hitmarker, la vie de ma mère, que la vie est une pute! La vie est une pute! Regarde, je hitmark... Je quickscope ce type! Je méritais le kill, je suis désolé. Il y a un brin de racisme dans ses actes et ça me plaît pas. Voilà, fallait que je le dise. Non, plus sérieusement, le meilleur sniper français, c'est parti. Je trouve le sniper très cool cette année, voilà. En tout cas, ce sniper, j'aime beaucoup le Kar 98. Alors, j'ai pas encore tous les accessoires dessus pour le rendre vraiment sympa. Je suis sûr qu'avec certains accessoires, je pourrais viser plus vite. C'est le seul vrai défaut que je relève pour l'instant, le fait que tu mettes, bah, que tu vises mal, quoi, en fait. Enfin, que tu mettes plus de temps à viser. C'est le seul. Ouhouhou ! Ramasse ton crâne, bébé ! Oh, mais c'est un chien qui me suit, là. Wesh ! Y'a un chien ? Non ? C'est un ennemi ! C'est un ennemi ou un dog ? Attends, c'est un ennemi ou un dog ? Je pense que c'est un mix des deux, hein. C'est un ennemi et un dog. L'ennemi contrôle
le point stratégique. Non, plus sérieusement, je suis pas le meilleur sniper français, mais j'aime bien le snipe cette année, ou en tout cas le car 98, c'est Skyros qui m'a dit que les snipers puaient bien leur mère en dehors du car. Et je veux bien vous croire, c'est vrai qu'il y a des années, Call of Duty c'est ça. Call of Duty, tu sais pas pourquoi il y a des années... Qu'est-ce que je vous ai dit? Ça, c'est des gens bien jump, bien slide, bien tryhard, c'est mort, c'est... On adore. Ouais, Call of Duty, il y a des années où ils mettent de l'amour envers le sniper, et puis il y a des années, ils disent... Non, cette année, non, ça va puer sa tente, cette année, pour vous. Bah, oui, mais je viens de réapparaître, mais c'est quoi ça? Mais on... Allô? Et cette année, apparemment, c'est une année sans pour vous. Après, je pense que si le car 98, là, il est bien renvoyé vers Warzone, il y a moyen d'avoir un truc intéressant, tu vois. Je pense qu'il est assez cool, et qu'il peut permettre des trucs cool. Bah, ah ouais, moi, je suis avec des... Ah ouais, les mecs s'en battent juste les couilles de gagner ou quoi. Alors, je veux bien, moi-même, j'avoue, je jouais pas l'objectif, mais... Un minimum, quand même. Dans ta tente. Oh, le gamin, il a mis une termite. Viens. Pour la stratégie, les petits d'assaut. On continue la razzia avec encore un kill. Hop. Hop. Trop bien. Mission de reconnaissance. Tac. Non, on est pas mal là en vrai sur cette partie. Donc, ouais, c'est un Call of Duty sans love, mais j'espère pour vous. Que l'année prochaine sera meilleure pour vous. Hop là, sanguinaire baby. Bon, aujourd'hui je suis d'humeur énorme parce que j'ai regardé un grand prix du sport le plus générationnel que nous a offert le siècle. Là, ça, c'est la Formule 1 mon gars. Et franchement, je suis un méga Formule X. Je suis un gros Formule X. Vraiment, tu prends toutes les personnes que tu n'aimes pas dans ce sport et qui sont arrivées grâce au reportage Netflix. Ok, tu leur ajoutes 105 kilos. Des avis désastreux et une grande gueule, et t'as Zach en Formule 1. En plus, non, en vrai, je vanne parce que je sais que vu que c'est un sport que j'ai commencé à suivre que depuis quelques temps, tu vois, je n'ai pas l'expertise, je n'ai rien de spécial à apporter, ouais. Tu vois ce que je veux dire. Oh là là, le double encore une fois du Kaznani. Mais franchement, je prends trop de plaisir à le suivre, c'est le feu. Vraiment, vous ratez la Formule 1, vous dites, oh, c'est juste des voitures qui se dépassent, mais la tête de ma mère, que c'est un des sports les plus entertainants, les plus divertissants de ces dernières années. C'est de la frappe, moi, je prends trop mon pied. Chaque Grand Prix, je suis là, pas tous d'ailleurs. Non, j'avoue, ils sont un peu nuls. Mais moi, déjà, j'aimais bien la course, j'aimais bien le vélo. Mais alors là, le feu. Alors en plus, devant vous, vous avez un gars qui est pour Verstappen. Alors, que, bah, c'est bien, il tue. Allez, regardons. Hop, en rapide, comme ça. Ça va, on est. Comment tu veux que des fois. Je fasse la compète avec ces mecs sans déconner. Vraiment, je suis censé faire quoi? Je suis avec un sniper, pas mal, ok. Bah, merci pour le sniper, hein, mais là, gros, je peux juste rien faire, je suis une victime. Oh ton yep! Oh ton grand yep! Oh là là ton yep, tu fais du 46, tu laisses dépasser ta Air Force. Et ouais mon gars, et ouais, tu crois quoi? Tu laisses dépasser ta Air Force, ça suffit pour le Kaznani, hein. Je crois que je suis à 1 kill des chiens, j'ai bien envie d'avoir les chiens. 1 kill des chiens. On va camper. Non, tout ça pour dire, si vous suivez pas la Formule 1, vous ratez un truc, et si vous suivez la Formule 1, bah, que du love pour vous. Nous-mêmes, on sait que ce sport est générationnel. Mais nique ta mère! Voilà, je rage, j'aurais dû avoir les dogs, putain! Désolé, c'était pas gentil de dire nique ta mère. En plus, insulter les mamans de quelqu'un pour un jeu vidéo, c'est mental de merde. Maintenant, j'ai 37 ans, faut que je fasse attention. Hein. Mais nique ta mère! C'est pas possible de foutre deux balles comme ça, gros! Regarde, deux fois d'affilée. T'es mort! Mais regarde! Je suis la salope! Voilà, moi je mets une balle, tu vois. Moi je suis là, j'ai pas besoin de. Hein? Pas besoin de sucer avec des classes cheatées, là. Nique ta mère, mes cags! C'est trois fois lui d'affilée, j'en peux plus. Oh le spawn calamiteux. Oh chien hostile. Oh là là, la merde. Monsieur! Non, il... Oh. Désolé. Hop là, toi tu dégages, non. Cousin. Si. Oh. Hop là, un kill encore. Hop, un autre par là. Ah bah le chien! Dégage le chien! L'ennemi a pris le point stratégique. Je ramasse une arme. Et oui, moi aussi je sais le faire. Oui, je sais, c'est. Je sais que c'est la vidéo le meilleur sniper français, mais gros, je ne peux pas jouer là. Voilà, ça dégage le chien! Laissez-moi respirer! Je tiens à dire que personnellement, j'ai toujours trouvé que le chat
C'était 10 fois mieux que le chien. Voilà, c'est un avis comme ça, vous pouvez le prendre. Allez, dégage. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, bébé. Point stratégique confirmé. Allez, viens. Deuxième, deuxième, deuxième. Le combat n'est pas terminé. Deuxième, viens. Point stratégique actif. On a capturé le point viens. Stratégique. Non, mais j'ai pas de chance, il te marquait, hein. C'est dur. L'ennemi a pris le point. You fucking just spending your entire game sat in buildings and not playing the objective. Why don't you just go and play TDM? Il a pas tort, hein. Il se plaint que mes alliés ont pas trop joué l'objectif. Ouais, il est vrai que ça rend la game moins intéressante. Oh là, attends, mais... Oh là, mais... Nous avons un grand monsieur ici, j'aime bien ça. Pour une fois qu'il met une kill cam correcte. Ouais, je suis bien d'accord, mon pote. Donc t'es pas l'horaire. Ah, je suis bien d'accord, mon frère. On essaye de vivre des moments de camaraderie sur le jeu. Oh les gars, je suis obligé de jouer au sniper sur cette map là, c'est du réel. Reviens là petit, attends. Reviens là, j'ai dit petit. Hitmarker ! Voilà, je suis pas ta bitch toi, hein. Ok, y a des meufs, tu peux les prendre comme ça, t'es à l'aise avec elles, y a pas de problème. Genre ta copine, tu la prends par la hanche, t'es bien, tu te sens bien. Moi, je suis pas ta meuf, mon gars, je suis pas ta meuf. Tu reviens me challenge, tu prends une balle énervée. Ok, 3 tirs. Eh, vraiment, y a des choses que vous pouvez voir qu'en exclu sur cette chaîne. Vous savez c'est quoi? Oh bah encore, quand même. Vous savez c'est quoi la chose que vous pouvez trouver de manière exclusive sur cette chaîne YouTube? C'est un YouTuber qui a, attention, la capacité très très rare, hein, attention, vous trouvez pas ça ailleurs, hein, de tirer un chargeur entier. Oh bah. Ah bah je suis bien là, hein. Encore avec marqueur, de tirer un chargeur entier sans faire de kill. Et ça c'est bien. Non, pas sans faire de kill. Un chargeur entier sans toucher un ennemi. Vraiment, il y a encore très peu de gens qui maîtrisent cette technique particulière qui consiste à vraiment tout déchaîner ton chargeur. Je vais casser quelque chose. Nique ta race. Il y a très peu de gens qui maîtrise bien cette technique, mais croyez-moi qu'elle est dévastatrice. Bon, du coup, on est sur Dome. Je pense que si je devais montrer mes skills en tant que sniper, c'est le bon moment. Là, je montre mes skills en tant que sniper, mais aussi mes grosses couilles de l'espace de pouvoir jouer avec une telle arme sur une telle map, dans un tel contexte, on va dire. Un contexte qu'on va dire qui n'est pas favorable. Mais pourtant, on enchaîne, mon gars. On envoie. On enchaîne encore. Oh, dans mon dos. Ah, j'aime ce que je vois. Mais j'aime ce que je vois, mais j'aime pas ce que je fais. Non, vraiment, c'est trop kiffant, mon gars. Dome, en réalité, si tu te concentres bien, tu peux y jouer vraiment presque n'importe comment. Pas bien. Pas forcément de la manière la plus efficace, on va dire. Mais techniquement, purement, même sniper, même à la claquette, tu pourrais tuer. Franchement, même sur Dome, si t'avais des claquettes en main, tu pourrais faire des kills, mon gars. Et pas n'importe lesquelles, hein, les claquettes Nike, là, les noires, celles que tout le monde a. Moi, mes claquettes Nike, elles ont tellement de vécu qu'elles ont pris la forme de mon yep, elles sont toutes déformées. Mais ça, c'est pas qu'une claquette, c'est une claquette de gens qui ont très peu de problèmes dans la vie. Et ça, c'est mon cas, mon frère. Hé, hey, monsieur. Oh non, il était pour moi, lui. Oh, défaite. Oh, 34 à 47, le score timide. Le score, il est comme ça. Le score, il est timide de fou. Bon, en tout cas, on a bien mieux enchaîné, là. C'était plutôt positif. J'ai dit des mecs qui n'ont pas de stress et pas de problème dans la vie. Tu veux que je te décrive une autre période, enfin, une autre classe de personnes qui n'ont pas de stress et de problème dans la vie? Les gens qui ont fait le pont, là, qui ont pas pris, qui ont pris leur vendredi. Avoir 4 jours de week-end, là, c'est dimanche soir, mon gars. Ces mecs-là n'ont aucun souci. Si, en réalité, ils ont un souci qui approche. C'est le retour du taf. Ça, c'est horrible. Force à tous mes travailleurs. 17-5. Pas mal, pas mal, pas mal. Bon, voilà les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo sniper. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous.